Allez, c'est reparti pour un petit défi. La première personne, bon bah il s'agit là de en Aldino, mais quand même, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas. Ah putain, puis alors, là j'espère que c'est pas tout le match quoi. Il va faire marquer 2 buts. Ah, ça va. Ils sont à la récupération. Allez. Ciao. Ah oui, la belle passe! Intelligent, très réussi, il récupère le ballon. Attention! Oh oui, oui! Et 2-1. Ça c'est fait. Et ce but là donne un petit peu plus de marge au tableau d'affichage. Alors là, ils n'ont pas demandé le reste sur ce compteur, mais c'est allé à 100 à l'heure. Et les voilà donc avec une avance de. C'est donc le club de ses débuts. C'est Roberto. Et apparemment, il faut gagner 3-0. Bon, ben, je pense que c'est faisable hein, si mes coéquipiers daignent récupérer le ballon et me le donner déjà. Ça c'est bon comme intervention, c'est propre, efficace. C'est pas sur le bon pied pour faire le contrôle. Et la défense qui est sur le qui vive, attention. Le problème c'est ça, la première personne, il faut récupérer les ballons soi-même limite. Parce que bah, sinon les coéquipiers ils sont tellement mous du genou que. Et en passe. Il faut pas s'en prendre un aussi, ça c'est chiant ça. Coéquipier qui ne bouge pas. Pas de danger pour la défense. Ça sera plutôt enflammé. La défense qui récupère. Allez, je vais essayer d'avancer un peu et de reprendre le ballon. Putain, j'ai réussi à esquiver. Allez, c'est parti. Ah putain, j'ai attendu la dernière seconde en fait. J'ai pas eu le temps de voir arriver là, c'est de ma faute par contre. C'est vrai, j'avoue, j'ai pas été bon. La plupart du temps je gueule parce que les coéquipiers sont pas au niveau quoi, mais là franchement c'est moi qui n'ai pas été bon. Et avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires, il cherche à égaliser à tout prix. Allez, je peux le faire. Ouais, prends le point. Bon, c'est pas des buts exceptionnels, hein, désolé. Ah, il est dans une mauvaise passe. Le gardien, là, ça continue. C'est juste dans le coin. Ça fait plusieurs petites erreurs tout de même, là, qui s'accumulent. L'addition commence à être lourde. Mais quelle rapidité dans le pied, c'est incroyable. Pour l'instant, le principal est fait. Normalement, le défi est réalisé. Mais on peut faire mieux. Et la bonne passe. L'occasion peut-être avec les frappes. Oh, il marque. Et voilà. Le gardien, il n'est pas terrible en fait. Là, ma frappe n'était pas une des plus puissantes. Clairement, c'est un match à sens unique. Hein. Eh bien, on a Ronaldinho qui n'a rien perdu. C'est Roberto. Ronaldinho qui n'a rien perdu de sa fougue, malgré que on le sent lourd dans le jeu. C'est vrai qu'il a pris 20 kilos. Il a perdu le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Ciao. Allez, encore un. Oh, c'est trop de gardien, c'est lui. Oh, ça va rentrer. Il a marqué le dernier geste. Corner. Peut-être un petit manque de lucidité sur cette action. Le corner à suivre. Ouais, j'ai fait un appel de balle et c'est vrai qu'il était pas très très judicieux. Oh, très dangereux ce ballon qui se balade. Il avait bien senti tout. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire.
le centre dans la surface de réparation. Allez, le sur sera à la trouvée du ballon. Là, c'est ce que je reproche souvent, hein, je leur dis, mais les dégagements comme ça, intempestifs, qui sont pas forcément justifiés. La copie est à revoir pour ce mode de jeu dans FIFA 13, et j'espère que ça va être un petit peu modifié au niveau du comportement des joueurs. Une IA un tout petit peu plus aiguisée, parce que ben voilà, on n'est pas aidé, quoi. Et logiquement, on est censé rester à son poste, mais si j'y reste, voilà, on se prend un but, quoi. Regardez ça, ça sert à rien, ça. C'est-à-dire, il fait une passe au sol, c'est suffisant. Bon, j'avoue, les adversaires sont assez neuneux aussi, mais bon, voilà, c'est pas logique. Les adversaires devraient être aussi assez aiguisés, quoi. Allez, un dernier pour la route. Allez, vas-y, Rony. C'est vrai que je me fais rattraper par le défenseur. Et ben c'est terminé, j'ai réussi, j'ai réalisé ce défi pour Rony. Un match maîtrisé de bout en bout. Oh ouais, grosse maîtrise en effet. Voilà, 700 points d'expérience dans l'escarcelle, et à la prochaine fois pour un autre défi.